Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Voilà, TV du peuple RD Congo. Voilà, comme d'habitude. Eh bien, chers compatriotes, on va vous présenter quelques titres de l'actualité. Nous présentés par la RTNC, ces deux extraits. Voilà, il y a un immeuble à 6 étages, je veux dire, qui a failli s'effondrer complètement, mais il s'est penché avec un danger que on ne sait pas quel jour ni à quelle heure il va s'écrouler complètement. Voilà, ça pose le problème de demander des comptes à l'architecte, à la personne qui a conçu ce bâtiment. C'est lui qui a obtenu le permis de construire. Et voilà, il faut examiner tout ça. On ne fait pas les choses dans l'anarchie. Voilà, chers compatriotes, il y a également le contrat sino-congolais revu à la modification, c'est-à-dire qu'il y a eu un avenant qui permettra d'asphalter plus de 2000 km de route, moyennant un gain de 7 milliards de dollars. Ça veut dire que ça a été renégocié, mais ça a été approfondi à la cité de l'OUA. Eh bien, il y a également un spécialiste qui va nous expliquer pourquoi la peine de mort, c'est-à-dire la levée du moratoire sur la peine de mort, est importante pour le pays. À savoir, chers compatriotes, nous ne sommes pas les premiers à appliquer cette peine de mort. Elle existe dans plusieurs pays, y compris aux États-Unis, le pays considéré comme la plus grande démocratie, chers compatriotes. Voilà, il y a Augustin Kabouya, malgré sa sortie ratée concernant les Kassaïens qui sont au Katanga, bon, il continue une demande, pas pardon, il est revenu là-dessus à sa façon, il s'est défendu, qu'il n'a insulté personne, mais bon, il a quand même cette mission-là d'informateur, et maintenant de formateur, il continue à mener cette mission. Et après, nous clôturons nos extraits. Voilà, chers compatriotes, suivez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce jour, nous célébrons la journée mondiale du recyclage. Pour en parler, nous allons recevoir le délégué général du groupe Angèle Cosmétique, M. Jérôme Sekana. Bonsoir. Bonsoir, Guy Matoune. Nous ouvrons ce journal par ce drame qui est survenu ce matin à Kinshasa. Un immeuble de 6 niveaux s'est penché comme la tour de Pise et peut s'effondrer à n'importe quel moment. En tout cas, selon des témoignages recueillis sur place par notre reporter Tété Bongunda, cette situation est consécutive à une erreur de construction. N'importe comment, cet effondrement de l'immeuble relance le débat sur la qualité du sol, la qualité des matériaux de construction, ainsi que le sérieux dans la délivrance de permis de construction. C'est un immeuble de 6 niveaux en construction qui a commencé à s'affaisser vers sa façade principale sur l'avenue Malembankoulou au commandement dans la commune de la Gombe. Une situation qui met en insécurité tous ses voisins et voire les usagers de cette route. Trouvé sur les lieux, Jules César Fumukanda Basila, officier de la police judiciaire à la police nationale congolaise, explique le fait. C'est vers 10h34 que j'ai tout le passage ici. En venant de mon bureau, j'ai constaté le fait s'est produit devant mes yeux. Donc nous disons la façon, on a procédé d'abord à mettre la fondation de cet immeuble, c'était mal procédé. Et en outre, il y a un autre immeuble qu'on est en train de construire à côté. Donc on a troué vraiment à un niveau incroyable. Donc
Je pense que c'est la façon de construire, c'est ça le défaut. Que pourrait être la cause de cet écroulement? Que doit-on faire à l'étape actuelle alors que le parking, le rez-de-chaussée et le premier niveau sont déjà sous la terre? Nous allons mettre les moyens pour barricader la partie de l'avenue afin que la population ne puisse pas accéder dans cette partie. Maintenant, nous avons sollicité au bourgmestre, qui nous suit d'ailleurs, d'appeler les services compétents qui pouvaient venir donner une solution par rapport à cet immeuble. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. On ne sait pas quand est-ce que ça pouvait s'écrouler complètement. Donc nous voulons à ce que la hiérarchie de notre service ou soit nos autorités puissent interpeller les autorités compétentes qui pouvant prendre la solution en fait d'amener des engins qui peuvent écrouler complètement l'immeuble pour éviter les dangers. La population avoisinante est dans l'inquiétude, ne sachant pas quand, comment et vers quelle direction cet immeuble finira sa course si rien n'est fait à temps. Maloumbela est descendu sur place et il a recueilli les propos d'un expert, c'est un architecte, suivez-le. Nous sommes venus constater, on a vu la réalité sur terrain, cette situation qui nous est arrivée aujourd'hui, l'effondrement de cet immeuble. À voir les choses, c'est une colonne côté droite qui s'est fragilisée et ça a tiré l'ensemble de l'ouvrage. Et au stade actuel, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre le résultat des enquêtes. Mais il faut également sécuriser l'environnement parce que cet immeuble peut s'effondrer à tout moment, à n'importe quel moment. Parce qu'il suffit seulement que les éléments qui soutiennent l'immeuble maintenant la cède encore, c'est l'ensemble de l'immeuble qui va s'effondrer. Donc voilà pourquoi il est important que les dispositions soient déjà prises sur le plan sécuritaire, les câbles électriques, la tension, tout ça, pour que la population ne puisse pas payer doublement. Mais le reste sont les résultats des enquêtes que nous attendons. Une fois qu'on a ces résultats, les responsabilités seront établies. Est-ce que le bâtiment avait l'autorisation de bâtir? Toutes ces choses, voilà. À notre niveau, nos services sont en train d'identifier le maître d'œuvre, qui est l'architecte, qui nous donnera également les détails sur l'ouvrage. Le contrat sino-congolais concernant le mine, les deux parties, vous le savez, ont apposé leur signature au bas de l'avenant numéro 5 à la convention de collaboration. Cet accord qui porte les dividendes de la République démocratique du Congo à 7 milliards de dollars américains représente la construction de plus ou moins 2000 km de route à travers l'immense territoire national. À la primature, cet accord gagnant-gagnant a été au cœur d'une séance de travail avec les différents acteurs concernés par cette convention. Patty Tondwango, Gaëtan Magalano. Après la signature de l'avenant numéro 5, le programme Sino-Congolais vient d'être relancé, appelé à repartir sur les nouvelles bases avec l'espoir de donner satisfaction à toutes les parties prenantes. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui a présidé ce lundi 18 mars 2024 la cérémonie de relance, a appelé l'agence de pilotage des collaborations et suivi des conventions à s'appuyer sur l'expérience du programme Sino-Congolais pour l'étendre à d'autres conventions de collaboration. C'est ici le lieu de saluer la vision clairvoyante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'implication personnelle nous a conduit à cet accord. Cette renégociation marque un nouveau tournant pour la relance des activités du programme Sino-Congolais. Elle recommande à tous et à chacun une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays. Freddy Yodichembo, directeur général de l'APCSC, a sollicité une franche collaboration des parties prenantes. Nous sollicitons de ce fait la franche collaboration de toutes les structures impliquées dans ce programme pour que cette convention soit une véritable aubaine pour la reconstruction de notre pays. L'APCSC a donc la charge de veiller à consolider les acquis de ce partenariat qui vise le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Organisée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette cérémonie a connu la participation de quelques membres du gouvernement, du cabinet, du président de la République, des mandataires et de certains partenaires de la République démocratique du Congo. Le programme Sino-Congolais a été décrié pour n'avoir pas répondu aux attentes des Congolais en termes des infrastructures en échange de leurs ressources exploitées.
La dernière décision du gouvernement en rapport avec la levée du moratoire sur la peine de mort suscite des commentaires en sens divers. Pour certaines personnalités et certaines organisations de défense des droits humains, cette décision est inique et rétrograde. Pour d'autres, par contre, cette décision est salutaire dans ce contexte de guerre. Je vous convie à suivre M. Grégoire Bakandeja. Il est professeur des universités. Il est interrogé par Oscar Mbalkaïch. La suppression du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo est commentée de plusieurs façons différentes. Pour les uns, cette mesure va renforcer à coup sûr l'instauration de l'état du droit. Le cas du professeur émérite Grégoire Bakandeja. Dans un pays marqué par la barbarie actuelle avec les guerres, les tueries, notamment à l'est du pays, certainement aussi au centre, la peine de mort doit être vue comme étant utile pour la société pour lutter contre la criminalité et protéger même la société contre ça. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit faire l'objet de polémiques. Pour ces professeurs de droit, cette disposition devrait s'étendre même aux criminels économiques. Au sujet de l'agitation observée parmi les ONG de droits de l'homme, Bakande Jawampoum réagit. Vous savez, la peine de mort, il ne suffit pas. L'atteinte à la vie des personnes n'est pas liée simplement par les moyens des armes, etc., mais aussi on tue les gens en pillant les caisses du trésor, en usant ces gens à des fins personnelles. Ça tue plus que tuer avec une arme. Donc je pense que elle devrait rester pour l'ensemble des crimes, de manière à ce que le pays retrouve les standards des États où des hommes vivent dans la convivialité, etc. Donc, pour moi, la peine de mort, il faut l'étendre aussi pour la criminalité économique. La suppression du moratoire sur la peine de mort en RDC intervient au moment où le pays de Lumumba fait face à une agression barbare de la part du Rwanda dans sa partie est. Augustin Kabuya, l'informateur, poursuit ses contacts auprès de différents acteurs politiques avant de soumettre ses conclusions au président de la République ce matin. Ce lundi matin, il était avec les députés provinciaux du Kasaï et de Kinshasa. Le consensus a été trouvé autour du ticket Crispin Mukendi de l'UDPS et Bokole Joy Djoley de l'UNC pour l'élection des gouverneurs dans la province du Kasaï. Les 33 députés provinciaux que compte cette province, de toutes tendances, ont affirmé leur soutien à ce ticket gagnant pour présider aux destinées de leur province. Et moi, je ne fais que prendre acte de ce que vous avez proposé. Ce n'est pas ça? C'est ça. À cet effet, l'honorable Augustin Kabuya a prêché l'unité et l'amour pour l'intérêt de cette province à ses hôtes. Au sortir de ces échanges, le lieu de Lebo, Alain Tissoungou, a fait les points. La majorité des députés provinciaux du Kasaï soutiennent les tickets présentés par l'Union Sacrée avec Mukendi Bukasa comme gouverneur et Bokele Djoley comme vice-gouverneur. C'est nous qui avons sollicité l'audience auprès du CG pour nous présenter notre ticket. Il n'y a pas eu d'imposition, mais plutôt nous lui avons suggéré ce que nous estimons être vrai et faisable pour notre province. En prélude des élections des gouverneurs dans la ville-province Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS a réuni les députés provinciaux de son parti et c'est des 4 AC pour une causerie morale avec les candidats gouverneurs Daniel Bumba Lubaki. En chef des troupes, Augustin Kabuya a donné une ligne de conduite et les messages des hautes autorités de référents du parti à ces derniers. À cette occasion, les élus de Kinshasa ont eu un temps d'échange à huis clos avec Daniel Bumba. Question d'harmoniser des vues. Eh bien, nous terminons en ajoutant une ou deux rumeurs, parce que parfois les rumeurs s'avèrent. Radio Trottoir, vous savez. Alors, il paraît que le président a failli être assassiné dans son bureau. Il a été très prudent, il a fait expulser l'Israélien en question. Là, c'est sur le net. Et dans les rumeurs aussi, Janet Kabila, de son vrai nom, enfin, c'est pas son vrai nom, mais je connais pas son vrai nom, mais c'est un nom collé de toutes pièces. Elle a fait une tentative d'évasion
habillé en garçon ou en homme, si vous voulez, ça n'a pas marché. Et son passeport expiré lui a été confisqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans les rumeurs? Là, ce n'est pas une rumeur, c'est un rappel d'une information. La République démocratique du Congo a donné un avertissement aux Français. Donc, la journée internationale de la francophonie n'a pas été respectée. Ça veut dire que nous pouvons sortir de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sera notre arme contre les Français qui viennent encore d'octroyer 20 millions de dollars à Kagame, prétendument que c'est pour les troupes qui se trouvent au Mozambique, mais nous savons ce que c'est. C'est pour avoir la tête de notre président, ça, nous le savons. Alors, nous devons être très, très prudents. Là-dessus, nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci Rwanda, Kututumi Yambole.